Bonjour à tous, une petite vidéo, un petit montage labo pour dénombrer les bactéries. Donc une webcam sur pied et puis une fausse boîte de pétri, donc désolé, j'ai pas mieux. Et puis quelques autres boîtes de pétri, vous voyez, avec plus de colonies bactériennes. Et puis un script Python que je vais activer maintenant tout de suite. Ici. Et c'est parti. Donc ce que vous allez voir à l'écran, voilà, c'est il affiche en direct, donc vous avez vu, c'est ma main qui est ici, d'accord? Donc le but c'est de bien quand même centrer. Alors est-ce que je vais y arriver à bien centrer cette image approximativement? Ah bah déjà si je ne sais pas faire ça, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Là, on y est. Ensuite, il suffit d'appuyer ici sur P pour photo. Donc, j'appuie sur P. Vous regardez l'écran de droite ici. Il va arrêter le programme. Donc, j'appuie. Voilà, il arrête le programme. Ensuite, on regarde immédiatement ce qui me met comme résultat dans cette fenêtre-là. Et il m'a compté 12 colonies. OK, parfait. On change. On prend une autre boîte de pétri. Donc en fait, ça peut aller très très vite. Hein. Je ne l'ai pas mis en boucle, mais on pourrait très bien le mettre en boucle. Donc je relance la caméra. Voilà, la caméra est lancée. J'ai toujours pas compris comment on faisait pour. J'aurais pas été un bon conducteur Apollo. Non. Il y a une. Voilà, il y a un pins. Il y a un bins. Allez, on va dire que c'est bon. Là, on y est. C'est parti. Donc, de nouveau, je vais appuyer sur P. Voilà, c'est là, P. Vous regardez à droite. Voilà, la photo est apparue. On va voir le résultat. Et là, il nous dit 35 colonies. Alors, est-ce qu'on en a 35? Alors, en même temps, vous avez vu, il me fait une capture ici. Il me fait une capture de la figure obtenue. Alors si je vais chercher cette figure, elle est là. C'est elle qui est là. Je vais vous la zoomer un petit peu. Oh, bah celle-là, elle est nickel. Voilà. Elles n'ont pas toutes été aussi bien. Mais on voit que. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il a entouré toutes les colonies finalement. Voilà. Donc un algorithme qui permet par conséquent. Voilà, un algorithme qui permet par conséquent de visualiser en direct le nombre de colonies qu'on présente à la caméra. Donc assez sympa. Allez, je vous l'envoie. Ciao!